Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Page 38 du fichier élève, nous allons effectuer des activités du code à l'écrit. J'écris. J'écris le contraire du mot en couleur. La souris est derrière le chat. Le chat est devant la souris. Le contraire du mot derrière, c'est devant. Est de vent. De vent. Ici, Elga est devant le chien. Bien sûr, le contraire de devant, c'est derrière. Donc, le chien est derrière. Regardez comment on écrit derrière avec deux R. Attention. Derrière. Et l'accent grave ici. Derrière. J'écris les noms des légumes que met papa dans la soupe. Papa met dans la soupe des légumes que je vais écrire. Alors ici, nous avons quoi? Nous avons une tomate. Vous l'avez reconnue. Une tomate. C'est une carotte, une carotte, c'est un navet, d'accord? C'est un navet. Du poireau, on met du poireau. Poireau dans la soupe, un oignon. Quand on découpe un oignon, on a les larmes aux yeux. Un oignon. On écrit oignon, mais on dit un oignon, d'accord? Et pomme de terre. Alors ici, on écrit une pomme. De terre, une pomme de terre. Alors, je pense que vous avez reconnu le nom de ces légumes. Et je comprends le texte. Je comprends le texte. Je réponds aux questions en utilisant ces. Qui? D'accord? Alors, qui a planté le navet? C'est Baba Bouboule. Qui a planté le navet. Bien sûr, ici, je commence par la majuscule. C'est Baba Bouboule qui a planté le navet. Qui écrit au tableau? C'est la maîtresse qui écrit au tableau. Qui garde les moutons? C'est le berger qui garde les moutons. J'observe le dessin et j'écris l'histoire. Alors, rappelez-vous, le grand gros navet ne veut pas sortir de la terre. Baba Bouboule, la grand-mère Mamie Batoul, Elga, le chien et le chat avec la souris tirent sur les feuilles du navet. Et là, regardez, le gros navet sort de la terre grâce à l'aide de la petite souris. Ils ont tiré de toutes leurs forces. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Alors, grand-père. Alors, on peut écrire la petite souris. La petite souris Damia, majuscule, c'est un nom, tire le chat miné, d'accord? Le chat miné.
qui? Lui tire le chien berger. Et lui tire Helga. Le chien berger tire Helga. Helga tire mamie Betul. Mamie Betul qui tire à son tour grand-père Baba Bouboul qui tire à son tour grand-père. Et dans la deuxième image, on va dire tout simplement que grâce à la souris, le navet sort. Alors on va écrire, ils tirent de toute leur force, le navet sort de la terre. On va écrire ici, ils tirent de toute leur force, et le navet sort de la terre. Alors on répète, la petite souris Damia tire le chat Miné, qui lui tire le chien berger. Et lui tire Helga tire mamie Betul, qui tire à son tour grand-père. La deuxième image, il tire de toute leur force et le navet sort de la terre. On continue avec l'activité de langue. Alors, dans l'activité de langue, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? J'associe les syllabes pour former des mots avec l'aide de l'adulte. L'adulte, c'est une grande personne. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une souris. Souris. J'ai associé la syllabe souris. D'accord? Souris. Ici, j'ai parent. 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 R-E-N-T. Nous avons aussi navet. D'accord? Bien sûr, vous allez les écrire. Moi, j'écris. J'ai commencé par souris, parent, navet, mais vous pouvez commencer par l'association des syllabes que vous voyez en premier. D'accord? Mouton. Alors, mouton, j'ai ici, j'ai berger, d'accord? Et il me reste tiré. Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu comme syllabe? J'ai obtenu souris, parent, navet, mouton, berger et tiré. J'ai associé les syllabes pour former des mots. Ici, j'entoure le mot identique au modèle, le mot qui ressemble au modèle. Nous avons début, alors bout, début. Bien sûr, j'entoure début, début, j'entoure début, début, j'entoure début, dedans, non,
Dehors, non. Ici, j'ai demande, damé, dame, demande, j'entoure, d'accord? Demande, j'entoure, madame, demande, j'entoure, demande. Alors, je vais entourer comme cela. Devant, avant, non. D'avant, non. Demain, non. Devant, j'entoure. Damia, non. Et devant, j'entoure. J'ai entouré les mots identiques au modèle. Dans l'activité suivante, je mets les mots dans l'ordre pour faire des phrases. Alors, regardez qu'est-ce que j'ai. Damia, souris et petite une. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Damia est une petite souris. D'accord? Damia est une petite souris. Damia est une petite souris. Elga, ça tire grand-mère. Je peux écrire Elga tire sa grand-mère. Elga tire sa grand-mère. Et pour l'écriture et la copie, vous allez tout simplement respecter les interlignes, d'accord? Et vous allez écrire la lettre E. Vous allez écrire tiret, attention, deux interlignes, I, R, E, allez, regardez, allez. Alors, allez, moi je préfère trois interlignes pour la lettre L. A, les, ER, d'accord? Ici, nous avons les navets, les navets, respectez les interlignes. Les navets. Ici, nous avons le gros nez. Alors, L, E, la lettre G, deux interlignes en bas. R, O, le gros nez. N, E et la lettre Z. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.